Ces vignes à perte de vue seront peut-être bientôt classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles font partie des 6 sites retenus pour la candidature, des sites qui incarnent le processus de production du champagne, de la culture locale à la commercialisation internationale. Cumières, Mareuil, les caves Panier à Château-Thierry, les caves Laurent Perrier à Chalon, la colline Saint-Nicaise et l'avenue de Champagne à Épernay. Et donc la commune d'Hérissey a été reconnue pour ses paysages exceptionnels. Donc autour de cette zone de référence, un certain nombre de communes seront classées en zone tampon dont le rôle sera de protéger cette zone de référence et ensuite une zone qui sera complètement élargie à toutes les communes de la Champagne. Parmi les acteurs de ce dossier, Gilles, passionné d'histoire. Il a rédigé un rapport pour appuyer la candidature de sa commune et c'est le naturel des paysages qu'il met en avant. Des paysages modifiés au fil du temps, notamment à cause d'un insecte, le phylloxéra, qui dévasta les vignes. L'Hérissey comptait 1550 hectares de vignes, il y en a aujourd'hui 866, qui fait que c'est le plus grand terroir de Champagne, mais malgré tout, 700 hectares ont été gagnés par les bois, les taillis. Le paysage est donc tout à fait naturel et ça n'a pas été voulu, construit, comme la plupart des choses classées par l'UNESCO. Une particularité qui fera peut-être la différence. En tout cas, la perspective de voir le tourisme exploser dans le village ravit les viticulteurs premiers concernés et des professionnels qui souffrent de leur manque de notoriété. On sait très bien que les grosses maisons sont implantées dans les villes comme Reims et Pernay. Donc on a très peu de gros faiseurs sur l'Hérissey. Et donc je pense que ça en est la principale cause. Maintenant, la qualité de nos vignobles est quand même reconnue, la qualité de nos vins aussi. On voit qu'on a de plus en plus de touristes qui viennent acheter du champagne sur place, notamment beaucoup de Belges en ce moment. Et ben, ça ne peut faire que développer ses ventes sur place en faisant venir les gens dans notre superbe vignoble. Ben, nous déjà, on a déjà une belle salle d'accueil qui ne tourne pas comme on le voudrait parce que... Il manque de touristes. Donc déjà, bah, au moins, ça pourrait faire tourner une salle d'accueil toute la journée. Ça serait déjà bien. Même espoir dans cet hôtel-restaurant qui peine depuis 2 ans à faire le plein. Cela permettrait d'être beaucoup plus viable, car actuellement, vu l'investissement qui a été réalisé, heureusement qu'il y a la vigne du fait que nous sommes viticulteurs pour permettre de faire vivre l'établissement. Prochain rendez-vous à ne pas manquer le 17 novembre à Paris. Le dossier des paysages de Champagne sera défendu devant des représentants de l'UNESCO.